J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon 14 juillet. Alors, hop, je me remets bien comme il faut mon sac là. Ça, là. Hop, on reprend les mêmes et on recommence. Alors, ma souris. Hop. Salut Julien, comment ça va? Hey, coucou Florian. Excellent, excellent. Alors, hop, hop, hop. Donc ça c'est bon. Toc, je vais prendre ma référence. Parce que je viens de finir de manger. Hein. J'ai même pas mangé de dessert. Alors, hein, je vous dis zut. Hop. Alors, je vais aller dans mes images. Du coup, vous avez fait quoi pendant le 14 juillet? Hop. Alors, ma référence, on va le mettre là. Et puis, ça, il est où Google? Hop. Ah bah, moi, je vais bien. Moi, ça va, plutôt tranquille. Ça va, ça va. J'ai pas mal avancé sur mes commandes. Il me reste encore une commande où je suis un peu en retard. Et puis, je vais faire ça ce soir et puis demain. Et c'est encore un peu fort. Alors, on va faire ça comme ça. Hop. Alors, c'était quoi déjà? Ok, alors attends. C'était photo que je mettais hein, pour ouvrir avec photo. Ah, voilà. Attends. Ah, Google. Alors, c'est celui-là, ensuite OBS et ça. Ok, je peux pas faire plus petit. Oh. Du coup, il faut que je fasse ça plus là, OBS là,
Et puis on est bon. Je pense que voilà, c'est pas mal. Ah, non. Fermé. Eh, salut Mac, excellent. Comment ça va depuis 5 minutes? Alors, j'avais envie de faire de lui. Donc, il a un peu une ambiance verte, mais il a des tons bleus aussi un petit peu à quelques endroits. Il a sa cape derrière qui est plutôt verte. Du coup, on va prendre du vert. Je vais tester celui-là, le X. Ouais. Alors, voilà, je vous laisse le lire. Voilà, celui-là. Parce que j'ai pas l'intention du tout de le dire. Voilà, c'est pas moi qui vais faire ça. Voilà. Moi, les noms en anglais. Oh, putain, laisse tomber quoi. C'est ok pour dimanche. Et bah, parfait. Parfait, parfait. Excellent. C'est très bien. On va pouvoir discuter. Cool. Putain, mais j'ai trop hâte de tester la V9 quoi. Pour 40K. Je parle 40K là. L'illustration, elle a un vert un peu pétant. Faut le retrouver. C'est chouette. Puis on va faire des petits éclaircissements en même temps dans la vidéo. Enfin, si je m'étouffe pas. Pardon. Toc. Donc un petit peu de vert sur la cape à certains endroits, histoire de que quand on tourne la figurine, on a une impression de 3D. Faut pas oublier, hein, c'est pas du 2D hein, comme les illustrations et tout. Il y a même un petit bout de violet hein, aussi dans ce cas. En fait, c'est des sortes de tentacules en fait qu'il a. C'est comme une araignée, c'est chelou. Il est trop chelou celui-là. Mais je l'aime bien et j'aime bien les trucs dégueux. En fait. Alors on avait dit un ch'ti au poil de violet. On va faire un ch'ti au poil de violet. Puis il y a son truc rond là, il en a un aussi. Ouais, toi il est des violets là son truc. Visuellement, ce perso est super classe. Ouais, moi je suis d'accord. Hein. Franchement, c'est un peu. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ils sont tous chouettes, je trouve. Mais celui-là a un côté vraiment, bah, vraiment badass en fait. Vraiment. Je fais un petit peu d'éclaircie parce que comment je prends du blanc parce que comme moi je fais plus je fonce ce que je fais, bah le premier truc que je vais faire en peinture c'est de peindre très clair, donc ça c'est ma base et ensuite je vais assombrir à chaque fois, donc si je veux mettre une couleur, je vais souvent éclaircir d'abord et après l'assombrir. Des fois que, à force que je le dise, vous le saviez pas. Oh là là. Alors ouais, j'avais réfléchi aussi à la rentrée, quand je vais avoir un atelier, un vieil ordi qui rame. Je me suis dit, je vais peut-être... faire une façon de faire mes lives et mes vidéos, etc., un peu différente. Et je me demandais si vous seriez intéressé avec des lives comment, le soir ou vous préférez plus la journée. Parce que, parce que moi, j'aime bien faire des lives sur Twitch. Alors, j'ai carrément enlevé le blanc que j'ai mis. Je vais le remettre. Et oui, je sais, je vous fais chier avec Twitch. Mais bon, c'est tellement chouette de faire des lives sur Twitch. C'est tellement fait pour que je voudrais pas être à côté de ça, quoi. Donc du coup, je me disais soit je fais des vidéos, des lives YouTube sur genre l'après-midi et le soir de temps en temps, deux fois par semaine le soir sur Twitch. Je sais pas.
C'est un homme insecte porteur de la peste. D'accord. Oui, bah effectivement. Mais c'est pour ça que je l'aime bien. C'est pour ça que ça me fait penser à la Desga. Toc, je mets un peu de Drakenov Nightshade parce que comme il est un, il a une cape un peu bleue là, le dessus. C'est vraiment une ambiance un peu bleu-vert, hein, donc faut garder cette ambiance-là. Donc c'est plutôt foncé à l'intérieur. On va rester sur les intérieurs du coup. On va essayer d'éviter de peindre les edges là, les comment ça s'appelle, les bosses de la figurine, enfin les extrêmes de la figurine quoi, enfin peindre les creux. Voilà, on va le faire à l'inverse. Je pense que ça sera plus logique. Et donc du coup, ouais, voilà, je m'étais dit bouleverser un peu l'emploi du temps. D'accord. C'est un peu marron les veines, donc on va rester. Hop. Il y a un chiot poil de bleu. Tac. Attends, je vais essuyer parce que j'ai mis un peu trop là. Moi, je remettrai un petit peu de vert. Attends, le vert que je voulais prendre. Il est pas mal, hein. C'est fait partie des citadelles qui étaient genre technical, mais en fait c'est du contraste pour voir si ça plairait le contraste, quoi. Mais j'ai baissé le son, hein. Non, je veux pas le calendrier. Bon bah vu que personne répond, moi je dis qui ne dit rien consent pour Twitch et YouTube. Du coup en fait je fais un peu ce que je veux quoi. Alors un peu de vert là. On va en mettre où ? On va remettre un petit peu. Histoire que ça soit un petit peu plus saturé. Ça va être marron, donc on va rester ici. Ah, c'est ses tentacules ou pas? Je crois que c'est ses tentacules, ça en fait. Ouais, soit marron. Et derrière, c'est plutôt bleu. Bon, bah, on va l'éclaircir. Hop! On va mettre. C'est lequel déjà celui-là? Hydra turquoise. Ah, Hydra quoi. Hop! Faire un petit peu bleu. Et puis, on va le mélanger un peu avec le Adriatic Blue là. De scale. Oh, putain, ça me saoule ça. Là, tu prends un pot de peinture, il est forcément bouché quoi. Pas relou du tout. J'ai mis un petit peu trop, mais c'est pas grave. Tac. Alors, là où il y a du bleu qui pète un peu. Pour ma part, je suis chaud pour Twitch. Bah ouais, moi aussi, hein. Moi aussi.
Mais tu serais dispo genre quand le soir? Moi, je m'étais dit, je ferais bien des lives le soir, lundi, et puis lundi, mercredi, ou lundi, lundi, vendredi, tu vois. Pas début et fin de semaine, ça peut être pas mal. Moi, je vais changer. Elle m'agace en fait. Elle est sympa, mais voilà, pas là. Voilà. Plus un truc un peu moins vénère, quoi. Hop. Je suis libre le soir. Avec le vert, ça rend super bien. Dingue ce que quelle nuance apporte. Bah merci. Bah j'essaye de me fier un peu à l'illustration, même si je fais pas exactement pareil, mais parce que ça serait vraiment une peinture trop longue, de faire comme une illustration. Moi j'aimerais bien, hein, c'est trop cool ça. Tu fais comme une illustration, c'est trop chouette. En peinture, tu t'amuses bien quoi. Mais par contre, c'est pas du tout les mêmes prix. tu passes ta vie dessus, donc on va essayer de retrouver un peu l'ambiance du truc quoi. Bah quand même. Puis de voir un peu la sculpture, faire honneur un peu à la sculpture. Parce que en fait, comme c'est de la 3D, il faut que les bords de chaque arête de la figurine soient un peu plus soient visibles en fait. Donc, du coup. Faut éclaircir un peu les parties extérieures en fait. Je l'aime bien cette illustration, elle fait peur. Je suis libre le soir, ouais, je l'ai lu ça, ouais, c'est pour dire que pourquoi pas, ça peut être sympa. Je pense je vais faire ça. Mais bon, ça sera pas avant le mois d'août, septembre. Voir un peu comment je peux gérer mon emploi du temps, quoi. Oui, ça, cette musique. On va mettre un peu le foncé, histoire de faire des transitions un peu plus. Un poil plus sympa. Okay. Et puis on va mettre du bleu ciel là que j'ai. Il a des petits éclats de couleurs, enfin de lumière. Ah putain. Nous l'aimons aussi, c'est pour ça qu'on l'a sélectionné, le visuel du jeu sur ce perso est un peu Cthulhu, David Jones, Peste Noire, c'est clair. Ouais, vraiment top quoi. Ouais, en fait les éclaircies, c'est là pour dire, hé, regardez, j'ai des plis sur mon tissu, j'ai des bras ici, regardez-les quoi. Ils sont pas là pour rien.
c'est la même. En fait, je l'ai virée et puis elle s'est dit non, tu me vires pas. Putain, elle me fait du sneak attack la musique, quoi. Hop. J'étais en bleu ciel. Hein. Ça, et puis il y a le rebord aussi qui est un peu plus clair. Enfin, mon retour, vous voyez des trucs. Ouais. Je ne sais pas des trucs pour moi. Il y a une sorte de petite peluchure de tissu. Là. Oui, c'est un mot qui existe. Putain. Putain. Tac. Ça, ensuite, si t'avais du bleu clair plutôt, enfin bleu clair, on va le faire plus, je sais pas, c'est couleur indéterminée, on va rester dans le bleu vert. J'aime bien, ça joue avec le bleu et le vert. Alors, soit dit en passant, je suis un peu plus nulle en bleu et en vert. J'ai plus un œil dans les tons chauds que dans les tons froids. Mais on essaye de s'améliorer. Faut sortir de sa comfort zone. C'est plus instinctif pour moi de peindre des couleurs chaudes que des couleurs froides, mais voilà, faut s'entraîner quoi. Ça. Elle crée de nouvelles couleurs. Alors, ça va être chaud là quand même de créer des nouvelles couleurs. Mais tu dis ça par rapport à quoi? Parce que je mélange. Le sort de vert fluo avec du turquoise. Oh, regarde, après ça fait des. Ah! Ça, tu bouges la figurine, ça fait. Oui. Fait des ambiances de couleurs sympas, quoi. Mais j'aime bien, en fait, quand tu bouges la figurine, t'as des couleurs qui changent. J'aime bien ça. C'est rigolo. On sait pas trop s'il est bleu ou vert, du coup on n'avait pas remarqué du tout. Ah mince. Et je crois que je suis en décalé parce que vous me dites des trucs, mais je sais même plus. Ah non, pour le bleu. Ouais, de toute façon. Hop. Ça se fait, hein, de toute façon. Ça se fait, hein, de prendre du bleu. Il y en a plein qui disent ouais, le blanc c'est super chaud à peindre, ouais, le jaune c'est super chaud à peindre. Enfin, moi, c'est le bleu, c'est pas vraiment instinctif. Quoi. La musique moins chiante parce que c'est sympa mais c'est un peu genre ah bah elle change la musique. Puis remettre un peu du vert parce que, bon la cape est déjà plus verte que bleue mais c'est pour faire un lien entre les deux, c'est déjà mieux. La faiblesse sur la gamme de vert bleu, vous ne l'auriez pas dit, on s'en serait jamais douté.
Bah, c'est gentil, mais en fait, je suis plus concentrée quand je fais du bleu-vert. Du coup, j'essaye de pas trop me chier dessus. Ah bah tiens, celui-là, il est pas mal. Le Elemental Bolt, là. Il est un peu bleu-vert, un peu machin. Si je le mélange avec l'autre, là, le vert fluo. On va faire ça. Il était là, je crois. Hop. Je vais le mélanger, attends. Attends, avec les câbles et la caméra, c'est pas du tout intuitif. Je sais pas trop où je vise. Je crois que ça vise bien. Non ? Ok, pas du tout où il fallait, mais bon. On va faire là. Histoire d'avoir une couleur un peu bleu-vert chelou. Voilà. Puis d'éclaircir. D'éclaircir, d'unifier un peu cette couleur parce que ça fait un peu des taches moches. Ça, la contraste en fait. Tu peins vite, mais il faut la nettoyer un peu. Enfin, entre guillemets, nettoyer. Je veux dire. Unifier un peu le résultat quoi parce que sinon c'est vraiment du niveau tabletop quoi quand tu fais que de la contraste et tu la nettoies pas t'as des résultats sympas mais bon c'est mieux quand tu fais un truc un peu plus propre. Ah putain. Tac. Ça, il y avait là aussi, je suis coiffée. Peut-être un petit peu en bas là. Bon, il y en a encore. D'accord. Là, histoire de faire des petits rappels. Comment faut que ce soit noir hein, parce qu'il a beaucoup de trucs noirs. Et le reste, c'est quoi? C'est des sortes de. Ouais, c'est pas des tentacules, c'est des sortes de pattes de. Comment ça s'appelle? De scarab... Enfin, pas scarabée, mais les trucs rampants que j'aime pas là. Comment ils s'appellent ça? Les sortes de blattes là. Ah, j'aime pas les insectes. Hein. C'est vraiment. Il y a une fois, on en avait des sortes de blattes dégueux là. Je lui ai tellement mis de trucs de pchit anti-insectes, ça devient blanc, qu'il y avait un gros tas de mousse. On voyait même pas la bestiole quoi. Je lui ai. Ah putain, j'aime pas ça. Comme disent les Américaines, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Ah. Il est pas mal, c'est un bleu vert bizarre. Et puis bah l'autre, on va mettre du bleu comme ça et du vert. Un truc un peu flashy, vert bleu. Je sais pas qu'est-ce que ça pourrait donner. C'est un peu bleu quand même. Hein. Peut-être plus. Ouais, tu vois, un peu plus comme ça pour éclaircir un peu le vert. On va mettre là aussi. Ouais, je suis très instinctif hein, quand je peins. Hein. Pas avoir peur. Tac. Un peu comme ça. Pas trop mal. Faire du marron. Hein, on va booster un peu le marron parce que bon, c'est bien joli, mais il y a un petit peu de magenta violet.
un poil de Drakenov de l'autre côté. Hop, booster un peu la gemme au milieu. Si je mets pas assez de rose, c'est sûr. Ah, voilà. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. On va remettre du blanc. On va recommencer. Tac. Après du rose. Et après le Drakenov. Un peu plus comme ça. Puis après on fera un petit lavis de violet là. Puis on va remettre un petit point blanc. J'avais dit quoi? Ah, mais il y a du beige clair là. Faire ça. Ah oui, c'était le. En fait, je crois que l'illustration, il sait pas bien ce qu'il faisait. Enfin, si, il y a ça là qui est vachement plus clair. Une sorte de machin début de truc. Mais que ça change de couleur de l'autre côté. C'est bizarre. On va le faire arriver ça. Genre, il n'a que ça. Parce que sinon, voilà quoi. Je crois que le sculpteur, il savait pas trop ce qu'il a voulu dire, l'illustrateur. Tu as une cape verte, tu as un peu de blanc et un autre truc bleu. Mais le vert, le bleu, c'est pas le même truc que le blanc. Donc, on va faire un truc simili. Toi, on va faire une petite liaison. Petit truc, voilà. C'est pas le même truc. Après, je vais faire du blanc. Ça. Ah, ça va jusque là, puis une sorte de manche. Mais bon, c'est pas sculpté, donc on va juste le suggérer du coup. Au niveau peinture, tu préfères Army Painter ou Prince Auguste? Army Painter. Parce que Prince Auguste, le médium, il est bizarre. C'est pas intuitif pour moi, Prince Auguste. Alors que comment le médium de Army Painter, il est un peu plus gluant, plus comme un glacis, tu vois. Et Prince Auguste, elles sont chouettes hein, les couleurs. Hein, je dis pas ça du tout. C'est juste le style de médium, il me perturbe. Bon après c'est pas non plus je suis pas non plus perturbée. De ouf, hein, mais c'est pas le médium que je préfère. Quoi. Je préfère celui d'Army Painter qui est plus genre t'as juste un petit peu à diluer et puis tu l'as ton glacis quoi. Prince Auguste, c'est une, enfin faut que tu remettes un peu de médium à glacis, un petit peu d'eau, enfin faut que tu chiant. Moi, je suis plutôt du genre à pas vouloir me prendre la tête. Un petit peu tire-gorge, peut-être un peu foncé, peut-être l'éclaircir, le cigar brown. Donc. Je vais prendre un peu de beige. Ouais. Peut-être encore un petit point. Ouais. Toc. Attends, je fais des trucs, mais est-ce que... Ah voilà, donc je suis là. J'ai mis le cigar brown ici, j'ai pris un peu de beige qui était là, et puis j'ai mis... Hop. Pour avoir... Hop, petit glacis. Voilà, on va faire la ceinture. Ça c'est en acier, d'accord. Alors attends, j'ai un peu trop de peinture.
vraiment trop de peinture. Hop. Putain, il est dédoux mon pinceau. Pas ton pinceau. Ok. Après, je peins surtout en glacis, donc c'est normal qu'il fasse la gueule. Y a ça aussi. C'est de machin. Ça coche. Ça. Bon, ils ont pas sculpté l'autre truc. Pardon. Et on dirait que c'est plus de l'acier ou je sais pas. Alors, on va faire ces petites pattes. On va mettre, je sais pas moi, pour trancher un peu, on va mettre un petit peu de rouge orangé. Dans le marron. Sauf que si je mets juste la couleur, ça va pas le faire. Tac. Tac. Voilà, les petits doigts. Enfin, les petits doigts. C'est pas dégueu, là. Là, celle-là aussi. Bien, c'était là. Tac. C'est laquelle que je pense, celle qui est là. Okay. Ah ! Sans déconner. C'était par là. Un petit peu d'eau quand même. Je faisais quoi ? Je sais plus. Ça, ça, et puis il y a celle-là. On allume là, à la recherche des trucs dégueux. Du coup, il y a de l'autre côté. Pas mal aussi, la musique tribale. Non, ça, ça va être le tissu. Oh, voilà, puis il y a la tête. De lanière, voilà, faire plus foncé parce que c'est pas ce qu'on veut voir forcément le plus. Italis, ouais. Mettre un peu de blanc, on va refaire le blanc. Un peu bizarre. Ça, je pense que c'est en acier, on va mettre
petit côté brun aussi. Ne pas peindre les doigts, si possible. Enfin, j'en ai peint un. Tac, on va prendre un petit peu de Draken of Nightshade. Hop. Un petit peu d'acier. Non, oh, ça ne me plaît pas comme bleu. Faire un autre. C'est déjà plus ça. Après, du Drakenov pour les yeux. Merci Maud d'en mettre trop. Ça sèche. Éclaircir un peu le marron, du blanc. Non mais vraiment éclaircir pas. Voilà. Hop. De voir parce que bon. Elle est bien jolie l'illustration. Ah, moi je suis une figurine 3D. Ah, mais j'ai trop d'eau. Comme ça quoi. Je crois que j'ai pas fait le truc au-dessus. On va faire la lanière qui est là. Il y en a une aussi là. Je suis désolée pour la musique, hein. Elle est chelou. Marine. Ok, alors. Donc, Draken of Nightshade. Foncez là. C'est une figurine, normalement elle est censée voler. Mais faire voler une figurine c'est compliqué. Hein. Faut bien, je pense qu'il faudrait un socle transparent. Refoncer un peu. Ah, le Draken of Nightshade. Ou son petit nom Beaux-Arts, j'ai oublié le nom. C'est je sais plus, Grid Pain, voilà. Thank you.
comme ça. Pas mal. C'est bizarre. On va même l'éclaircir un peu. Verte là. Hein? Pourquoi pas? Je vais faire un petit dégradé vert là, sur le truc un peu bizarre blanc. Hop! On va éclaircir un peu ça. Voir un peu ce qui se passe, quoi. On va faire un peu la même chose avec le bleu. Je dois retourner travailler. Merci pour ce live. Super sympa à voir. J'ai hâte de découvrir la suite en replay. À bientôt et bonne après-midi. Bah, bon taf. Bon courage. Et puis à demain, peut-être. Je vais continuer demain. Au moins, je l'aime bien comme ça, il est chouette. Hop, tiens à lui. Alors, lui, c'était quoi? Ah oui, c'est celui qui est chelou, qui est un peu dans la transparence. Okay. Bon, on va mettre du Draken of Nightshade un petit peu partout parce qu'il y a du bleu. On va faire du fluo. Laisser sécher. Hop. Ah bah oui, lui. Il est tout, tout d'acier et puis doré. Hop. On va faire le... Doré. Alors celui-là, le doré, là, le Secret Weapon, Brass Casings, ben le A013, quoi. Mais il est vachement bien. Voilà. C'est pas du tout un placement de produit parce que j'ai aucune. Je suis une trop petite. Donc ne me dites pas que c'est un placement de produit. Hein. Personne ne le connaît. Mais n'empêche que il en reste que ben, c'est, il est vachement bien comme. Elle est vachement bien comme peinture. Ok, il y a ce truc là.
c'est bon. Hop. Une sorte de bâton aussi. Pas un bâton, une flèche. Très petit hein, pour les détails un peu chiant comme ça. Ok, les chaussures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. Hein. Faire le doré, on y verra un peu mieux. Hop. Alors, en doré. Voilà. Une sorte de petite tête de crâne, je sais pas quoi. De démon. Ensuite, t'as une sorte de pic là. Il y a l'herbe là. Tac. Pareil de l'autre côté du coup. Je vais vous laisser, passer une bonne journée à vous tous. Ben c'est ça, barrez-vous. Vous êtes tous en train de partir, vous quittez le navire. Ben, bonne journée du coup. De toute façon, on se voit dimanche. Il y a le machin doré là aussi. Tac. Il y a quoi d'autre? Ah oui, puis il y a l'épée qui est pas là. Il y en a. C'est quoi ce truc là? Ah non, c'est les bourses de je sais pas quoi. Ok. Donc, on va la faire. On va faire ça. Il y a le bas, il y a ce truc là. Tac. Bizarre comme on veut des fleurs.
faire juste le bord, en fait. Comme ça. Tac. Coucou Frelin, comment ça va? Est-ce que tu as passé un bon 14 juillet? J'espère que oui. J'espère que c'était un jour de repos. Ouais, ils travaillent les jours fériés. C'est quand même pas cool. Mais bon. Ça arrive. Comme mon copain, des fois, là, il a pas travaillé le jour férié et on s'est dit, mais c'est bizarre. Bon, ça se fait. D'habitude, il se tape tous les jours fériés. Tac. Je crois que c'est bon pour le doré, hein. Ah, mais il a une queue de démon un peu blanche, c'est marrant, ça. On va faire un peu blanc, du coup. Un peu orange volant, je sais pas. Genre un peu sale. Rester dans le thème du démon. Je pense qu'il a dû faire blanc, l'illustrateur, parce que le derrière, il était orange. Contrasté, en fait. Donc, on va faire ça. Un peu là. Ça va, après, nous, les feux d'artifice ont été annulés, et toi? Ah bah, pareil. Pareil, annulé. En plus, c'est con, parce que comme mon bébé Satan, il est né début août, donc il va avoir 2 ans, donc ça aurait été son premier vrai feu d'artifice où il est un peu, il voit un peu ce qui se passe, quoi. Bah non, bim, annulé, quoi. Ça... Mais c'est chelou parce que, tu vois, à Chalon, il y a une sorte de fête de la guinguette, etc., avec de la musique, des bars où tu peux manger, boire, t'as des activités, etc., mais ils annulent le feu d'artifice. Je pense que ça aurait été logique de faire l'inverse. S'ils ne veulent pas de rassemblement, il faut annuler les deux. Mais le truc, c'est que pendant une soirée, t'as le feu d'artifice où c'est un rassemblement, mais pendant une soirée, pendant une heure. Alors que le truc de la guinguette, c'est toute la journée, le soir. Et puis, c'est sur une durée vachement plus grande, enfin, avec des horaires, enfin, des jours, plusieurs jours, quoi. Mais c'est bizarre. Il y a une logique que je n'ai pas. Mais bon, j'aurais été contente qu'il voie son premier feu d'artifice, ça aurait été cool. Ce notre premier, il a pleuré, mais on lui a arraché les oreilles. Parce que oui, il a une nouille hyper développée, le grand. Alors à chaque fois qu'on va voir un feu d'artifice ou un cinéma, un film au cinéma, etc., bah, faut qu'il ait un casque, quoi. Bah ouais, c'est... Ouais, t'es cool, quoi. Mais bon. C'est pas grave, il aura bien le temps d'en voir des feux d'artifice. Ça va même jusque là, je pense. Putain, c'est chaud à voir. Il y en a. Ça coche. Là, il y a une petite sacoche, je m'en souviens, je l'avais mis tout à l'heure. Ah, comme ça. Ça, c'est du... Bon, on va le faire un peu marron, dilué.
histoire d'avoir comment un petit contraste entre les deux, parce que là, si je fais gris, ça va pas être top, quoi. Je peux faire un peu plus... Salut tout le monde et premier like. Hey, c'est vrai que tu mets des likes, toi, c'est sympa. C'est cool. Bah, c'est grâce aux likes que je sais si telle ou telle vidéo plaît plus ou pas, ou moins, ou c'est de la merde. Bah voilà quoi. C'est parce que nous ne sommes pas dans vos têtes. Il n'y a que cette façon-là qu'on peut savoir si vous aimez ou pas. Mais bon, après, je comprends. Hein. Moi aussi, je fais partie de la majorité silencieuse. Hein. On va faire du cuir. Du cuir. C'est un fourreau ou c'est la lame? Je sais pas trop. On dirait que c'est plus un fourreau. Hein. Là, c'est pareil. Alors, comment ça va, ton 14 juillet, Thierry Barre? Tranquille, t'as travaillé ou c'était le chill? Bon, chill out. Tranquille, monsieur. C'est quoi déjà la phrase? C'est le travail c'est la santé, mais ne pas en avoir c'est la garder. C'est un truc comme ça. Je viens de finir de charger la remorque et la voiture. Ah bah écoute, parfait, bon travail. Bon travail. Ah mais c'est rouge ça en fait. Mais attends. Ça va jusqu'où? Putain, j'ai du mal à lire la figurine. En fait, t'as le tissu qui est là. Attends, je vais mettre un peu. T'as ça là. Je pense que t'as ça là. T'as le tissu qui est là, mais. T'as ça qui est là, qui passe en dessous. Ok, ça on est d'accord. Mais. Le 14 juillet, je me suis goinfré avec des amis et après digestion. Ah bah c'était c'était rentable, dis donc. Le travail c'est la santé, ne rien faire c'est la conserver. Voilà, c'était comme ça dans ce sens-là. Bon alors il a une sorte de truc. Alors je pense que ça doit être ça là. Qui dépasse là, ce petit bout là, ces deux petits bouts là. Putain, c'est chercher trop, hein. Et t'as ça là, ce truc. Je pense que c'est pas là. Un truc comme ça. Bon, ben on va faire de la peau. Bon, la peau, on va faire ça comme ça. Avec un poil de rose quand même. Hop. Oui, j'ai la flemme d'aller chercher les coups. Je sais.
mais là... Alors qu'ils sont juste à côté de moi, hein, je le sais. Mais j'ai ma figurine, enfin voilà quoi. Ouh, c'est un peu trop rose là. Mais au moins marron. Qu'est-ce que ça sèche vite? Ça sèche trop vite. Il a de la barbe ou pas? Non, c'est des poils. Hop. Puis il a des pioles marron. Mais il a une arme aussi là. Oh, j'ai des armes partout. Ouais, il a des flèches rouges. Oh là là, mais qu'est-ce que ça s'est fait, c'est un truc de ouf. Ok. Ça, ok. Là, après, du beige pour le sort de parchemin. Ok. Hop. Hop, hop, hop. Bon, là, c'est celle qui est là. Après, il y a du bleu. La seule. Celle-là. Du orange, rouge, machin. Celle-là. Ok. Ah, mais là, ça, l'épaulette qui est dorée, en fait. On dirait. Il a des sortes de poches un peu partout.
s'il vous plaît. Bon, il a un peu des armes dans ses armes, hein, celui-là. En rouge là. Parce que c'est un putain de démon. C'est pas mal. Tac. Lui, il est sec ou pas? Non. Nine. Enfin, elle. Alors, hop, celle d'après. Faire du violin. Il est quelle heure, là? 14h13. Mais je vais bientôt arrêter le live, dis donc, et... bien manger mon dessert. Je vais manger un dessert, mais... je vais peut-être me faire goûter, tiens. Bien manger un goûter. Pas de boire du thé. Voilà. Et après, on va faire du blanc bleu bizarre. Hop. Tout ce qui est un peu machin, ça là, sorte de cristaux qu'elle a là. Thank you.
miel. Ça a des cheveux de cristal. L'âge de cristal, c'est les cheveux de cristal. Après son âge, il est peut-être un cristallin, je sais pas. Il y en a aussi de ce côté. Ouais. Tac. Voilà. Ça, c'est des petits points blancs, donc hop. Il faut un truc un peu blanc. Je vais rajouter du blanc. C'est du bleu fluo, ce truc. Faire ça. Alors, faire un mini lavis glacis de blanc un peu partout là sur les tout du pouvoir. Ok, et puis bon, on va attendre que ça sèche un petit peu. Mais c'est blanc ou pas? Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même pareil. Hein. Ça, sorte d'armure. Non, pas ça. Ça, en fait. Avec l'illustration, on ne voit pas bien, n'empêche. Du cuir.
saturer un petit peu le vêtement chelou là. Oui, YouTube. Je suis toujours là. Je finis ça et puis après je dis à YouTube. Gramé la zic. Hop. On enlève un peu le surplus parce que tout ce qu'on veut, c'est surtout booster la saturation. C'est pas forcément faire tout colorer. Hop, voilà. On remettra un petit peu plus de magenta après. Alors, YouTube. Oui, je suis toujours là. Je fais un stream avec ton site. Donc, oui, je suis toujours là. J'ai pas bougé. Pardon, magenta. C'est légèrement. Pas trop de fesses, alors. Hein. Bien foncé. On va mettre là. Ça, et puis... Putain, il est où l'autre ? Ça, c'est ce truc-là. Je pense, hein. Sur les cuisses. Par contre, c'est un peu ça. Thank you.
productive aujourd'hui avant. Bon, je sais pas. Je sais pas trop. J'ai pas fait tout ce que je voulais ce matin. Donc, que ça sèche, qu'elle a des yeux blancs. On va attendre que ça sèche. Et je vais arrêter là. Ah, je vais faire du thé. Je suis pas un peu haute en fait. Je vais mieux. Je commence à avoir mal au dos. Je vais vous laisser vu qu'il est 14h30. Ça fait 1h30 de live, c'est bien. Qu'est-ce que je vais dire? On se retrouve demain, lundi, demain vendredi. Je sais même plus ce que je dis. Ouais, vendredi, bah, même heure, hein, 13h, 13h, 14h, 14h30, par là, quoi. Donc, 13h, demain, et puis, voilà. Donc comme tu vas faire la sieste, je souhaite une bonne journée à tous. Mais je vais pas faire la sieste, je vais juste boire du thé. Ça va pas me faire pioncer. Merci pour le stream, à demain. Bah écoute, à demain, Frelin. Ça me fera plaisir que tu sois là aussi. Demain après-midi. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Bah la même chose, on va finir les Gloomhaven. Hein. Et puis comme ça, on part sur un truc différent. Bah, peut-être pas la semaine prochaine, vu que j'ai mon grand. Alors, les lives, ça va être un peu compliqué. Ça sera peut-être le soir. Et du coup, j'en profiterai peut-être le soir sur Twitch. Je sais pas. Je ferai un message sur ma page Facebook pour donner des infos sur quand est-ce que je vais faire un live. Je ferai un petit programme. Donc on verra. Je sais pas trop comment ça va s'organiser parce que ça va être un peu compliqué. Donc voilà. Bon, allez, je vous dis des bisous. Je vous fais une bonne soirée et puis bah je vous dis à demain. Ciao ciao.